Bonjour, nous sommes ici sur le site du plateau de l'Acra et de la rente de la mode Giron. Et donc, je suis venu parce que traditionnellement, c'est ce week-end, au moment où arrive la Sainte-Catherine, que nous plantons, enfin les familles plantent avec l'aide des agents de Dijon Métropole qui sont en ce moment en train de faire ce travail, plantent les arbres pour fêter la naissance des enfants. Et dans la ville de Dijon et dans la métropole. Donc, chaque année, depuis 2015, c'est plus de 1500 arbres qui sont plantés et qui permettent ainsi à la nature de regagner ses droits sur des zones qui étaient promises à l'urbanisation et je le dis, qui sont aujourd'hui des zones qui sont des zones agricoles, biologiques, sur lesquelles on trouvera des vignes et de l'agriculture biologique. Et donc, c'est très important de constituer cette trame verte avec des arbres, avec aussi des conifères, toute une variété que les agents que vous voyez peut-être de Dijon Métropole sont en train de planter. Je voudrais les remercier d'ailleurs, parce qu'ils font le travail que les familles font d'habitude avec leurs enfants. C'est un moment festif et cette année, malheureusement, cause de Covid, eh bien, nous avons tenu à ce qu'il y ait des arbres, mais nous avons, malheureusement, nous le faisons sans les enfants, sans les familles. Alors, pour autant, Dijon Métropole a décidé de vous intéresser ce week-end. Alors, ce week-end, vous pourrez, avec vos enfants, vous pourrez participer à des jeux. Il y aura un jeu, il y aura un concours photo, il y aura des contenus pédagogiques. Tout ça, vous les trouverez sur les sites de Dijon Métropole, compte Twitter, Facebook de Dijon Métropole. Et puis, parce que les mauvais jours finiront, vous pourrez revenir avec les enfants, on vous accueillera sûrement au mois d'avril et on verra déjà comment cette petite forêt a pris racine. Merci à vous.